Uh cher chez une lumière passion, cotation, chaque jour, nouvelle leçon son, rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action, investir sur votre estimation. La performance du portefeuille au mois de mai 2024, donc vous le voyez là actuellement, c'était l'ancien portefeuille, hein, celui que j'avais en tout début du mois de mai, et on voyait que j'étais tout proche des 20K, hein. j'avais 19 000 et des poussières euros, j'avais pas mal de lignes aussi, vous allez voir, il y en a certaines qui ont disparu, et on va faire le point à, à peu près maintenant où j'en suis hein, sur ce portefeuille. Est-ce que j'ai fait mieux que le K40 aussi? On va se poser la question et je vais vous donner mon point de vue par rapport à mon portefeuille pour que vous puissiez comprendre un peu ce que j'essaye de faire actuellement. Donc là, ce que vous voyez maintenant, c'est le portefeuille actuel. Donc j'ai 20 169 euros. Donc j'ai enfin dépassé les 20K. Donc vous voyez en titre, j'ai 19 890 euros et en espèce, j'ai 309 euros. Vous voyez qu'il y a une petite différence là avec le comptant là, c'est normal parce qu'en fait il y a des actions, euh, vous savez des actions à 13 euros d'Alstom qui sont comptées dedans, c'est pour ça qu'il n'y a pas le même chiffre entre 268 et 309. Et donc je vous en parlais en début de... je vais vous en parler à l'instant, Alstom. Hein, effectivement j'ai pris une position sur Alstom, hein, donc j'ai pris que 15 actions, je ne savais pas trop ce que ça allait faire, bon, vous voyez hein, que j'ai bien fait de ne pas en prendre plus, hein, j'ai déjà 9,56 de baisse, bon déjà... Ils ont retiré les DPS, hein, donc euh, ceci explique cela. On notera que les DPS sont passés en dessous des là. on est passé à 0,98. Elles ont perdu 19,97. Après moi, de toute façon, je vais les utiliser les DPS, hein, je vais les transformer en actions. Donc je m'en fous en fait hein, que ça descende. Euh, j'aurais voulu les vendre, j'aurais dû les vendre dès le départ. Hein, ce que je vous avais dit, si je vous, ça m'intéressait pas, j'aurais dû les vendre dès le départ. Donc là, pour l'instant, j'essaie de me construire une ligne Alstom. Alors pourquoi Alstom Parce que bon, c'est un dossier, je trouve, qui pourrait être pertinent hein, dans les prochains mois, qui pourrait être défensif, même si je trouve que mon Peru est trop élevé. Hein. Le Peru, il a, je sais pas si on voit le Peru là, il est à à dix Enfin bon, je vais prendre en dessous des 20. Donc là, avec trois actions à à treize euros, ça va le faire descendre mais ce sera pas suffisant hein. euh, et on verra après j'attraperai la baisse donc là après ce que vous voyez en dessous c'est les fameux euh, bons de souscription hein. bon voilà, je m'en fous hein, je, bon je rappelle aussi que ces bons souscription, je ne peux pas en racheter au sein d'un PEA il faudrait que je les mette sur le compte titre ensuite j'ai toujours le BX4 hein, j'ai toujours 2000 euros dessus je suis en moins value de 750 on notera qu'aujourd'hui ben ça finit dans le rouge hein, moins 0,24 J'espère que la semaine prochaine ça va beaucoup chuter. Hein, c'est une position défensive, on va donner. Hein, j'ai repris un petit peu hein, de position durant le mois. Ensuite, Evans, alors c'est vrai que j'ai hésité à la vendre, celle-là, cette ligne, aujourd'hui, parce que ben, le dividende a été retiré. Alors c'est vrai que là, le, le compte que vous voyez là, il, il manque le dividende d'Evans, hein, qui est à peu près de 70-80 euros, qui doit arriver euh, donc, ou lundi ou mardi. J'ai toujours une plus-value de 97 euh, euros actuellement. Donc ça me fait 9% de plus-value. C'est une société qui est très endettée, c'est ça qui me pose un peu problème sur le dossier. Et je ne sais pas comment elle va réagir quand les dividendes vont arriver dans le portefeuille. C'est possible que ça se mette à vendre comme des malades. C'est le problème. Après, si les taux baissent, elle pourrait repartir en forte hausse. Parce qu'elle est très endettée. Ensuite, ligne que j'ai pris aujourd'hui. On sait qu'en général, le vendredi, je ne prends pas. Mais là, je me suis dit... Ça peut être une opportunité, c'est Gemini. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo l'antagoniste de téléperformance. Elle chutait pas mal ces derniers temps. Ça fait déjà trop. Il y a eu trois gaps d'affilée à la baisse c'est le troisième aujourd'hui. Elle perdait encore 4,48 à cause d'un broker. J'ai pris 556 euros. C'est vrai que, au début, je voulais prendre en dessous des 500. Mais le problème, c'est que ça faisait 378, ça m'en faisait que deux. Donc, du coup, j'ai augmenté d'une. J'en ai pris comme trois. Et en fait, maintenant, je la prendrai action par action. Donc la prochaine fois que j'en reprendrai, ce sera vers les 180 euros. Actuellement je suis à l'équilibre sur la valeur. Compagnie des Alpes, ça marche bien. Donc belle plus-value dessus. Hein, j'ai eu 3% encore aujourd'hui, j'ai 18% de plus-value sur Compagnie des Alpes, 123 euros, 802 euros. Que demander au peuple, les vacances, ils aiment. Ferrari, donc là, euh, je ne sais même plus si j'en avais la, la semaine, le mois dernier. Donc j'ai des maintenant j'ai deux actions. Hein, j'en avais une pendant quelques temps. Et au moment des résultats, du coup, j'étais rentré dessus, euh, je ne devais pas l'avoir le mois dernier. Et du coup, là, cette, euh, cette semaine, j'en ai repris une nouvelle. Ce qui fait que j'ai deux actions. Maintenant, si j'en reprends, ce sera du coup bien en dessous à 350 euros. Hein, C'est juste qu'elle avait du mal à descendre. Je me suis dit, je veux comment prendre une deuxième. Euh, vous voyez, je suis vraiment à l'équilibre sur le dossier. Donc il ne faut pas aller trop fort. Dans les nouvelles lignes de trading, il y a Fija Carreo. Donc pour l'instant, c'est vrai que la ligne marche bien. Hein. J'ai 10% de plus-value, 31 euros. Mais je n'ai que 340 euros. C'est un peu le problème. Je vais la jouer jusqu'aux résultats euh, qui seront, je crois, fin juin ou début juillet. Ensuite, Interparfum, c'est une ligne qui me fait bien chier. Je suis toujours en moins-value dessus. Hein. J'ai toujours un Pérus au-dessus des 50. Alors, c'est vrai que je pourrais pousser le vice à encore en prendre 10 de plus. Hein. C'est-à-dire, du coup, avoir 3 actions gratuites je pourrais, ça me ferait rajouter seulement euh, 486 euros bon je vais pas le faire mais c'est vrai que ce serait une possibilité pour moi hein, d'encore augmenter euh, du coup ça ferait automatiquement baisser, faire baisser mon PRU euh, je vais attendre euh, les actions hein, là, là, actuellement euh, on était bien parti il y a deux jours en arrière c'est reparti en baisse à voir ce qu'elle va faire durant le mois de juin il pourrait avoir des achats sur le dossier euh, du fait qu'il y a des actions gratuites euh, on parlait d'actions gratuites, du coup, bah Air Liquide, hein, là aussi. Hein, donc là, je les aurais pas. Hein, J'aurais un dividende à la place, J'en ai que 5. J'ai comme réussi à en avoir 5. Vous voyez que je suis complètement à l'équilibre. 0% de gain. J'ai rien gagné. Après, euh, Air Liquide, le problème, c'est qu'elle ne veut pas descendre. Elle ne descendra pas avant les actions gratuites, c'est clair et net. Donc je vais attendre et puis on verra plus tard. J'attraperai la baisse. j'en ai que 5. C'est comme ça. Française de l'énergie. Alors, celle-là, j'ai hésité à la vendre aujourd'hui. Euh, 567 euros dessus. C'est une position que j'ai travaillé, hein. J'ai attrapé, je crois, deux fois la baisse, je crois. Au début, j'étais rentré avec une toute petite position. Euh, bon, pour l'instant, j'ai 40% de plus-value. Euh, 40 euros, plutôt. Seulement 7%. Ils ont annoncé un hein, des, des, chiffres d'affaires. J'ai trouvé qu'ils étaient quand même pas mal, hein. 100 millions en 2026. Quand je voyais dans le consensus, ils visaient 42 millions en 2025. Je me dis, ça veut dire qu'en 2026, ça devrait fortement monter. Malgré ça le marché n'en a pas voulu, ils ont vendu 3,94 de baisse aujourd'hui. Bon pour l'instant je vais la garder, mais c'est vrai qu'elle est un peu compliquée cette valeur. J'ai beaucoup de valeur énergétique, c'est un peu le problème aussi. LVMH, bon j'ai toujours 5 actions celle-là. Ma hein. euh, bon, plus-value a pas mal fondu quand même, hein. j'ai plus que 7%. Il y a deux jours en arrière, j'avais plus que 5%. 3600 euros, j'ai perdu quand même ça, c'est quasiment 500 euros dessus. Mais bon, toujours une plus-value 246 euros. Ensuite, l'XOR. Donc ça, c'est un ETF foncier. Pour l'instant, j'ai une plus-value de 6,53, 1192 euros. Belle position. Nacon. Bon là, c'est un trade qui n'a pas vraiment marché. Hein. Pour l'instant, vous allez me dire, bah, pourquoi il dit ça Parce que j'ai 7% de plus-value. Euh, pour moi, Nacon, je visais au moins 30%. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et euh, je vais attendre encore lundi. Mais je ne pense pas que je vais jouer les résultats. Je vais vendre avant résultat. Euh, ou peut-être que j'allégerai de moitié avant résultat. Je verrai ce que font les résultats. Ensuite, alors là, ça a été un bon gadin, hein, c'est Prozus, hein, qui a beaucoup rechuté depuis. J'étais à plus de 40% de plus-value, et là, euh, toute la semaine, elle a beaucoup chuté, hein, un peu comme toutes les valeurs chinoises. Donc là, euh, j'ai toujours comme 1.335 euros dessus, 324 euros. Je sais que c'est quasiment la plus grosse plus-value de mon portefeuille, hein, Prozus. Hein. On va pas cracher dessus. Euh, J'essaierai d'en reprendre, mais pour l'instant, pas pressé. Ce sera, Pour le coup, Prozus, c'est une valeur long terme. Rubis, alors Rubis, elle ne fait rien. Franchement, depuis qu'il y a Bolloré qui est arrivé, on est bloqué. Donc, j'ai un PRU qui est quand même au-dessus des 30. Au début, il était en dessous, mais j'ai repris à la hausse. Là, maintenant, je ne rachète plus. Pour l'instant, j'attends. Ils vont verser le dividende. L'Assemblée Générale, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Le dividende, ça va être fin juin, il me semble. Euh, on verra à ce moment-là. Ensuite, ben, finalement, c'est montant en fin de journée. Téléperformance. Bon, elle, je vous l'ai déjà dit, hein, que je vais alléger mes positions dès qu'on va retourner à mon PRU, un hein, PRU à 119 euros. J'ai toujours une moins-value de 12,97, c'est ma plus grosse moins-value sur mon portefeuille PEBA. Hein, elle ne veut pas changer, hein, c'est toujours la même. Euh, je croise les doigts pour que dans les prochaines semaines ça remonte. Malheureusement, ils ont déjà versé des dividendes, c'est ça le problème. Ensuite, Thalès, bon, qui fait toujours pas grand-chose, j'ai que 4% de plus-value. C'est vrai que j'ai pas une grosse position, hein. vous verrez que le chiffre du diable dessus, hein, 6, 6, 6, 6. Euh, bon je la garde quand même à valeur défensive en rapport avec la guerre. C'est pas très éthique, mais bon, ça fait le taf. Et euh, donc les, les deux dernières, donc Vanguard, ça faut que j'arrive à en reprendre, mais c'est très difficile hein, d'en reprendre étant donné que ben, elle chute jamais beaucoup, donc euh, là j'ai une plus-value de 19%. Mais euh, voilà, j'aimerais bien que ça chute pas mal. Et la dernière, c'est toujours mon trade sur Viridien. Donc pour l'instant il marche bien, hein, j'ai 20% de plus-value dessus. Euh, malheureusement, je n'ai pas mis une très grosse somme, j'ai 378 euros dessus, euh, j'avais pas de liquidité pour ajouter et après ça s'est envolé et ça me faisait chier de faire euh, monter mon PRU. Prochaine grosse baisse, j'en reprendrai hein, sur Véridian. Voilà, donc le portefeuille, j'ai beaucoup de lignes, hein, j'ai quasiment 20 lignes, vous voyez, 1, 2, euh, euh, Alstom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19. Ouais, J'en ai 19. Euh, donc, du coup, là, dans les prochains achats hein, que je vais faire, euh, donc il y aura le SP 500 hein, que je n'ai plus pour l'instant. Donc, euh, je l'avais vendu en début de mois à cause euh, ben, des, des problèmes de. Vous savez, ils avaient parlé de 3%. Je pensais que c'était ça. J'ai hésité à en prendre aujourd'hui, entre parenthèses, hein, avec 268 euros. Pourquoi Parce qu'en fait, vous savez, il y a les hôtels gratuits hein, une fois par mois. Et euh, je me suis dit, ben, en juin, euh, en mai, je l'ai pas fait mon ordre. Je me suis dit, laisse tomber. On va attendre. Donc je ferai mon ordre, je pense, de la semaine prochaine. Il euh, faudra que je récupère la liquidité, hein, je ne sais pas où. Il hein, faut que j'en récupère quelque part. Donc euh, peut-être sur Nacon, justement. Hein, récupérer l'argent de Nacon pour le mettre sur le SP 500. Et pour l'instant, voilà, je vais rester comme ça. On va attendre peut-être aussi ALD, je vais voir, peut-être que je vais vendre, je ne sais pas trop. Euh, Evans là. Il euh, faut vraiment que j'essaye de vraiment diminuer les lignes au sein du portefeuille. Donc, alors bien sûr, c'est vrai que là, en fait, vous voyez 20 169 euros, mais je doit toucher encore le dividende aussi de Evans. Donc, on pourrait rajouter 70 euros quasiment. Ça ferait que j'ai 20 240 à peu près euros. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc, est-ce que j'ai fait mieux que le CAC 40 Mais quand on regarde le portefeuille du mois dernier et celui-ci, ça fait une plus-value, on va dire, hein, un gain de quasiment 1,40 voire un peu plus si je compte là si je compte comme ça mais si je compte l'autre ça fait un peu plus 1,40 combien a fait le CAC 40 donc voilà sur le mois le CAC 40 a fait 0,99 donc j'ai fait légèrement mieux on va dire que le CAC 40 sur ce mois euh... donc c'est je m'attendais à peu près à ça je voyais que je faisais un peu mieux euh, depuis le début d'année, j'ai pas calculé. Par contre, euh, je pense que je fais peut-être aussi un peu mieux, mais à, à vérifier. En tout cas, les 20K sont là. Hein, donc maintenant, le prochain palier, on pourrait essayer de jouer les 21K, peut-être les 25, mais les 25, je pense que j'arriverai en rajoutant de l'argent de temps en temps. La je j'en ai pas trop rajouté. Je vais peut-être en rajouter un petit peu là dans les prochains mois, hein, un peu d'argent. Voilà. Donc belle performance quand même durant ce mois. Je fais mieux que le 40. Et euh, j'ai beaucoup de lignes, mais mes trades pour l'instant se sont plutôt bien passés. J'ai pas eu vraiment d'effondrement sur euh, mes valeurs. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.